Savez-vous ce que j'aime le plus de l'hiver? Non seulement c'est le retour des tucs camouflages de cheveux gras, mais aussi Noël! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, je filme une vidéo très excitante. J'accumule depuis un moment des paquets de petites entreprises québécoises, des petites entreprises différentes. Donc, il y a des vêtements, il y a des produits de beauté, il y a des chandelles, il y a plein d'affaires. Puis honnêtement, j'ai pas trop stocké les comptes des personnes qui ont répondu à mon appel sur Instagram parce que je voulais pas ruiner la surprise. Je voulais vraiment vivre un moment de surprise. Je suis trop énervée! Hey, ça a été tellement difficile de pas ouvrir ces paquets-là. À chaque fois que j'en recevais un, j'étais comme « qu'est-ce qu'il y a dedans? » Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo-là? Noël arrive. Puis, j'avais envie de vous faire connaître des petites entreprises qui viennent d'ici. Tu sais, des fois, on cherche des idées de cadeaux, puis on sait pas trop quoi donner à nos proches. Et cette vidéo-là, c'est pour vous donner des idées, mais aussi pour encourager ces entreprises-là qui travaillent fort pour se faire connaître. Bâtissons l'économie du Québec ensemble! Je viens de remarquer que c'était tout graisseux ici. Donc on va commencer par le petit rose ici. J'ai décidé ça. Je vais vous mettre toute l'information des petites entreprises juste en bas et dans la barre d'infos si vous les cherchez. Si ici un produit qui attire votre œil, que vous êtes genre « Oh mon Dieu, ma mère aimerait ça! Ma grand-mère aimerait ça! Mon papy! » Vous irez voir dans la barre d'infos, je vais vous laisser toute l'information. Il est écrit sur la boîte le nom de la compagnie. Boutique L'Imparfaite. Parce qu'on est tous imparfaits. On est tous parfaits dans notre imperfection en fait. Oh! Est-ce que c'est des collants? J'ai comme plein de petits collants. Regardez. Ça, c'est le genre de truc que j'aime. Tu sais que je colle un peu n'importe où, là, mon agenda et tout ça, là, comme quand j'avais 12 ans. Ok, c'est des produits de beauté. Les lip gloss sont 100% faits à la main. Ils sont de plus vegan et cruelty free. Ça, on aime ça. Plusieurs autres produits sur la boutique sont faits à la main. Les fossiles sont réutilisables plus de 30 fois. Voici 15% off pour toi et tes... Ah, j'ai un code promo! Mon Dieu, on part en force avec les codes promo. Mon code promo, c'est EMI15 pour 15% de rabais. Checkez comment c'est cute! C'est un tiroir à fossiles! J'ai jamais mis de fossiles, mais je suis quand même vraiment curieuse d'essayer ça. À quoi ça sert, ça? Ça paraît que je suis pas une youtubeuse beauté, hein? J'ai aucune idée. Ah, c'est peut-être pour mettre les fossiles. C'est pour mettre les fossiles! Ça, c'est un lip gloss. On peut-tu parler des brillants? J'adore les brillants. Dans la vie, ça me rend trop heureuse. Est-ce que c'est un lip gloss ou c'est de la colle à fossiles? Et finalement, j'ai des petits choux. Waouh! Allez voir leur compte, c'est vraiment mignon. Puis l'emballage, 10 sur 10. Merci, boutique L'Imparfaite. Prochain paquet que je vais ouvrir, c'est celui-là. Oh, il y a des petits trucs de même. Youp! Ça, c'est la compagnie Milky & Co. Nos produits sont fabriqués à la main en utilisant des ingrédients de haute qualité naturelle et non toxique. Nous sommes fiers d'être sans cruauté animale et végétalien. Voici l'exfoliant pour les lèvres, exfoliant pour le corps au sel et le baume face mask. Ah, oh, ben, coudonc, j'ai un autre code promo. C'est cool, ça. EMI15. Hop, loup, hop, loup, hop, loup. Ici, on a le Salt Body Scrub. J'adore, moi, les scrubs de corps. Ça va se rajouter à ma collection de body scrubs. Ah, en plus, justement, j'ai fini le mien en ce moment. Lip Scrub. Ah, oh, ça sent le rêve. Ça, c'est... Ah, oh, c'est un face mask. C'est de la poudre. Faut que tu le mélanges avec de l'eau. Imagine la merde. Mon Dieu, le cri de joie, vous. J'adore les pochettes, j'en ai mille et une pochettes. Mais elle est trop belle, waouh! Merci tellement aux compagnies d'avoir accepté d'embarquer dans cette vidéo-là, je trouve ça trop le fun. Je vous laisse toutes les informations de Milky & Co. dans la barre d'infos. Prochaine compagnie, on va y aller avec celle-là. La compagnie s'appelle Odeur Nature. Ah, ok. Donc, Odeur Nature crée des produits odorants faits de matières naturelles et respectueux pour l'environnement. Ça, on aime ça. Les produits sont faits de bois de différentes essences et hydratés de nos mélanges d'huiles essentielles, faits à la main au Québec. Ouh! Ils sont tous disponibles en plusieurs choix d'odeurs. Fraîcheur, forestier, lavande, agrumes. Punch aux fruits et bien plus. Si je comprends bien,
c'est que tu prends ton huile puis tu imbibes ta plaque de bois pour lui donner une odeur. Ça, mettons, tu peux mettre ça dans ta voiture, accroché à ton miroir. Tu peux mettre ça chez vous aussi. Ah! Je trouve ça tellement cool! À la place d'acheter un sapin, là, que tu vas jeter dans 2 mois parce que ça sent plus, ben, t'achètes un petit bout de bois. Tu peux toujours remettre l'huile essentielle dessus pour lui donner une odeur. Ah! Oh, santé! Ça sent bon, hein? Ok, ça, sûrement que tu peux mettre ça dans tes tiroirs. Ah! J'ai un code promo! C'est la lune 15. Prochain paquet! La savonnerie lunée. Ah! Oh mon dieu! J'ai l'impression que c'est mon amie du primaire qui m'envoie une petite lettre. Amy, voici quelques infos sur ma petite entreprise que j'ai démarrée il y a 1 an et demi. Oh mon dieu, c'est tellement une entreprise nouvelle! Je fais tous mes produits à la main dans mon petit atelier, présentement chez moi à Laval. Tous mes produits sont 100% vegan, on aime ça! Éco-responsable et biologique. J'offre plusieurs produits pour se faire des séances self-care et des chandelles de soya avec mèches en bois crépitantes. Excusez, mon dieu! Les réactions beaucoup trop intenses! Non, mais c'est parce que... Regardez la carte, là. Un petit bout de bois. Oh my god! J'en reviens pas! Ça, je suis vraiment contente parce que je vais le garder pour emballer mes cadeaux de Noël. Oh mon dieu, c'est incroyable! Regardez ça! Donc ça, c'est l'intérieur de la chandelle. Puis regardez le petit devant, comment c'est beau! Avec un petit... en bois! Ah! Bégivré! Oh! Oh, que le monde m'impressionne! Genre... forêt enchantée! Mais ça n'a pas de bon sens. Oh mon dieu! L'esthétique du tout est incroyable! J'ai reçu une petite bombe de bain aussi. Canneberge épicée. Oh mon dieu, ça sent le dessert. Et c'est tout pour Luné. Incroyable, je capote sur la compagnie. Je la connaissais pas avant. C'est vraiment une belle découverte. Prochain! Celui-là, je sais de qui ça vient. Je sais ce que cette fille-là fait. Et je sais qu'elle est extrêmement talentueuse. Donc, j'ai très hâte de découvrir c'est quoi qu'elle attend. Dans le fond, c'est Roselyne Clothing. C'est une artiste du vêtement. Vous savez que moi, j'aime ça pimper des vêtements, transformer des vêtements. Eh bien, elle en a fait une entreprise. Elle prend des vieux morceaux de vêtements ou des vieilles couvertes. Elle fait ses propres designs. Elle est incroyable. Non seulement elle est full axée sur l'environnement, sur la mode éco-responsable. Bref, c'est une personne à découvrir, honnêtement. Allez la suivre. Vous allez être chouque de son talent. Puis, on va découvrir ensemble le morceau qu'elle m'a fait juste pour moi. C'est un morceau spécial juste pour moi. Ok, déjà là, les couleurs. Un funky fit pour une funky girl. J'ai un autre code promo pour vous, la gang, Amy10, pour 10% de rabais dans son entreprise. Ok, on ouvre ça. C'est un crop top serré, style patch. Je capote bien raide. Il y a même son petite étiquette, ça fait tellement professionnel. Roselyne Clothing. Elle me fait une chemise, oversize, avec les pants. Qui fit avec! Tu me niaises! Oh mon dieu, je capote, je trouve ça tellement beau. J'en reviens pas. La patience que ça prend, coudre un vêtement, guys, c'est incroyable. S'il vous plaît, allez la suivre, allez voir ce qu'elle fait, je vous en supplie. C'est incroyable! Oh my god! Je capote! Si t'écoutes ça pour vrai, tu vas aller loin. C'est fabuleux ce que tu fais, lâche pas. En tout cas, moi je compte t'encourager. Souvent. Je me suis remis de mes émotions pour le prochain paquet qui est... ouh! Bloom! Vêtements recyclés. C'est une compagnie que je connais depuis un moment. Là, ils ont parti leur friperie. Ça s'appelle le ReShop. C'est une friperie en ligne. Allez voir, ils trouvent des super beaux morceaux. Là, ils m'ont envoyé une coupe de morceaux. On ouvre ça ensemble! On a une petite sacoche noire. C'est tellement cute, ça t'amène ça dans un party de Noël. Ah, il y a quelque chose dedans. Ah! Ok, ça c'est cool. Une chaîne. Non seulement tu peux le porter en collier, mais tu peux l'accrocher à ton pantalon, tu peux faire plein d'affaires avec. Wow! Oh, c'est un
un petit chandail vintage avec les paillettes. J'aime ça quand c'est kitten, guys. J'aime ça les enfants kitten. Ouh, serait-ce un jogging? Oh my god, il est trop cute. Ensuite, nous avons un tapis de bain. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment mignon, là. Checkez la texture. C'est comme porter un petit nuage. Dernier morceau, mais non le moindre. Oh my god, oui! C'est genre un méga gros jacket. Le motif est trop beau. C'est magnifique. Vous savez comment j'aime les friperies. Si vous avez à magasiner puis vous savez pas trop ce que vous voulez, les friperies, c'est parfait pour ça. T'es tout le temps surpris de ce qu'ils ont. Fait qu'allez voir. Blue, avec ma masculine. Prochain paquet, surprise! Les chandelles Pepo. Pourquoi choisir les chandelles Pepo? Nous reprenons des contenants de chandelles afin d'offrir une alternative zéro déchet. Mon dieu que j'y trouve hot. Utilisation des vertus des huiles essentielles pour améliorer votre détente et votre concentration. Vegan! Artisanale, faite à la main par deux étudiantes. Oh mon dieu, mais c'est tellement cute! Ah, wow! Ça sent tellement bon. Oh! Ils réutilisent leur peau. Ah, ça sent bon. Ils ont mis la chandelle dans la tasse. Ok, puis la tasse est belle aussi, là. Ok, le pot est incroyable. La chandelle sent trop bon. Deux étudiantes qui se partent une entreprise de chandelles. C'est-tu beau, ça? Non seulement j'en reviens pas des paquets que j'ai reçus, mais j'en reviens pas d'à quel point il y a des gens talentueux puis des gens inspirants puis passionnés dans le monde. Ça ne fait que m'inspirer. Prochain paquet! Gold Heart Club. J'ai d'abord un petit gilet comme ça. Il est écrit Gold Heart Club parce que oui, j'ai un cœur d'or. Et j'adore la couleur. Qu'est-ce que j'ai dans le petit sac? Est-ce que j'aurais un collant par hasard? Ok, mais les images sont tellement belles. Miracles do happen. Elle est tellement belle. J'en viens pas. Je pense que c'est des petites images que tu peux même encadrer. Ok, mais la couleur, j'en reviendrai jamais. Ok, ça c'est sûr et certain que ça garde au chaud. Avez-vous froid? Ben non, je porte la tuque Gold Heart Club. Et finalement, oh, un petit sac réutilisable. L'image est magnifique. Prochain paquet. Ok, la prochaine compagnie, j'imagine que son nom c'est Lunage. Regardez à quel point c'est cute le petit paquet. Oh! Ça paraîtrait que j'ai un autre code promo pour vous, la gang! Émis la lune 10! C'est des produits corporels qui sont fabriqués dans l'atelier de Louise. Tous les produits sont réfléchis pour la meilleure texture et une odeur douce et agréable. Ah, oh, c'est beau! Oh! Oh! C'est une crème à main. Mmh. Wow! Oh, c'est tellement cute! Et finalement, nous avons... une crème pour le visage, 100% naturel. Oh! Faire des produits corporels naturels, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Fait que, allez voir leur compagnie. Prochain! Je sais que c'est une friperie. Je pense que c'est la récré. Vous savez comment j'aime les friperies. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils m'ont envoyé parce que je sais pas si c'est une surprise. Oh mon dieu, c'est excitant! Oh, ça, j'aime beaucoup le petit motif. Ça, c'est cute. Une petite chemise comme ça. Oh, c'est mignon, là! Ensuite, oh! Ok, ça c'est une nuisette. Fait que j'ai le petit haut comme ça, avec le petit bas. Ok, mais c'est vraiment cute et sexy ça. Ok, mais ça doit être tellement confortable ça en été. Tu sais, quand tu veux rien porter de trop lourd là, tu mets ça, t'es bien là. Ça pèse rien. Piou! Ou un petit veston vert. Très passe-partout, puis j'aime vraiment la texture. Oh! Ça brille ça. Honnêtement, je sais déjà quand je vais le porter. Stay tuned sur mon Instagram. Vous allez me voir en photo avec ça, c'est sûr et certain. Est-ce que ce serait pas des chandeliers? Je vais les mettre là. Hey, merci la récré! Ensuite, nous avons un petit mini paquet qui provient de Bijoux by Harry. Ah! C'est tellement cute! C'est un petit porte-clé avec une carte de tarot. C'est la carte de Lovers. Un autre petit collant! Oh, c'est-tu cute? C'est vraiment mimi, c'est super simple, tu sais, tu peux mettre ça avec n'importe quoi.
J'adore. Je sais pas c'est quoi cette bière-là, mais j'aime vraiment la grosse chaîne. Ah, merci, Bijoux by Harry. C'est le premier paquet de bijoux que je reçois, fait que ça me remplit de bonheur. Je commence à être fatiguée. Voici quelques produits faits à la main à partir de résine. Ah! Ma page Etsy, le Cloud Shop. Ça, je me souviens, j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. Ok, non, vous comprenez pas comment c'est hot, ça. Ok, ça, c'est tellement artistique. Fait que ça, c'est le paquet. C'est un petit, comment ça s'appelle, un feuillet, un signet! C'est un signet, mais un signet de fée, là. Regardez, il y a des paillettes et tout. Ah, c'est tellement beau. C'est une petite boîte. Tu mets tes boucles d'oreilles là-dedans, ou tes petits colliers, tes petites chaînes. C'est un miroir. C'est-tu cute? Ah! Toi, t'es belle. J'en reviens pas. Allez voir, sa page est ici. C'est de l'or, pour vrai. Ensuite, nous avons cette petite boîte. Ça, la compagnie m'a écrit pour m'expliquer un peu ce que c'était parce que j'arrivais pas à comprendre. Dans le fond, c'est Gigi. Je pense qu'il faut que tu t'abonnes à chaque mois. Puis, il t'envoie une boîte Gigi qui contient des produits hygiéniques féminins organiques et des petites surprises. Ah, j'ai un code promo pour vous! Donc, pour 20% sur les abonnements, Emmy 20. C'est vraiment une petite boîte self-care pendant ta semaine. C'est pas toujours facile pour tout le monde. Fait que là, tu reçois ça, puis c'est tout cute, tout cosy. Là, je vous vois me dire, mais voyons donc, Amy, pour Noël, j'ai pas acheté un abonnement à une boîte de produits hygiéniques pour la semaine. Je comprends pas. Riez autant que vous voulez, là, mais moi, pour la fête de Cass, je lui ai acheté des tampons puis des serviettes. C'était ça mon cadeau de fête. Donc, si vous voulez vous abonner, ben, allez voir leur compte Instagram. Ils ont sûrement plus d'informations. Ouh, ok, ça vient de décor imprimé. Ça, ici, c'est des autocollants muraux. J'ai plein de petits demi-soleils comme ça. Fait que là, je peux juste coller ça sur le mur, si je comprends bien. Ok, puis t'envoies même une petite fiche comme ça pour t'expliquer comment l'appliquer au mur. Comment c'est tellement excitant. Ah! C'est un collant de mon signe astrologique. Je me verrais ça mettre ça à côté de mon lit, genre. Wow, mais quelle belle entreprise! Je pense que j'ai un dernier truc. Mais j'ai déjà vu passer ça dans mon feed. Serait-ce l'œuvre de Marianne? Ben oui, toi! Ok, mais à quel point c'est une belle image. Oh mon dieu, là, il est tout roulé, là. Je suis pas capable de bien vous le montrer, là. Ok, mais wow! Oh mon dieu, je suis trop contente de mes petits cadeaux. Ensuite, on a un autre paquet d'une autre friperie! Donc, Interlude, c'est une friperie en ligne également. Ok. Ouh! La boutique offre des vêtements de création seconde main abordables entre 2 et 12 $. Mon dieu, ça c'est vraiment pas cher, honnêtement. Donc, nous avons ici, ok, c'est une petite robe noire avec un petit collet. C'est vraiment cute. Ça aurait été aussi mon genre de porter ça quand je faisais de la suppléance. Oh my god, c'est tellement beau. Ok, j'aime trop la couleur. J'aime le bas. De style effiloché. À quel point c'est cute. Oh, c'est tellement passe-partout. Une petite ceinture noire. Wow! Merci infiniment, c'est tellement gentil, j'ai hâte de les porter, j'ai hâte de les essayer. Finalement, dernière entreprise, celle-là je l'ai vue, je sais c'est quoi. Ça va être des petites surprises quand mes amis poilus vont venir me visiter parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des chiens. J'ai Cass, j'ai Rox, c'est la compagnie Todd et Paul qui m'ont envoyé plein de produits pour chiens. Ça c'est un calendrier de l'Avent, mais pour chiens. Regardez comment il est beau. Ah, mon dieu. Ils ont l'air tellement bons, j'ai envie de les manger. Les petits biscuits comme ça. Il y a aussi ces petits biscuits-là. Il y a aussi ceux-là qui ont l'air vraiment bons. Pourquoi la bouffe de chien a l'air si bonne? Ensuite, on a... Ah, c'est tellement beau. Juste le packaging. Ah, c'est des gâteries pour chiens végétariennes. Donc ça, c'est à la betterave, à la banane et des assortis. L'entreprise Todd et Paul a été créée en 2016, ok, ça fait quand même un petit moment, par André Bellefeuille. Soucieuse de la santé et du bien-être des animaux, elle a décidé de fabriquer des biscuits pour chiens elle-même dans sa cuisine. Fait que c'est des recettes avec des ingrédients bénéfiques pour la santé des chiens, faits de fruits et de légumes frais. Les biscuits Todd et Paul sont même propres à la consommation humaine.
Ça veut-tu dire que je peux en manger? Sur ce, c'est la fin de la vidéo, la gang. Merci de l'avoir écouté, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ça. Un gros merci à toutes les entreprises qui m'ont envoyé des paquets surprises. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous découvrir. Merci beaucoup à vous. Je vous encourage à aller voir les entreprises, les réseaux sociaux des entreprises. Je vais toutes vous laisser ça dans la bio, toutes les informations dans la bio. Donc allez les voir, allez les stalker un petit peu. Je vous aime. Bye.